Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons découvrir ce qu'est un ENT. Un ENT est un espace qui regroupe plusieurs services au bénéfice de la communauté éducative, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les parents, mais aussi des partenaires institutionnels tels que la mairie. Peut-être que vous utilisiez déjà certains services tels que Intrascol ou votre messagerie Thunderbird, ou un logiciel qui servait à diffuser les notes. Peut-être que vous utilisez également un blog. Peut-être avez-vous également utilisé Book Creator ou un Padlet, Dropbox, Drive, etc. Des agendas ou des cahiers de texte en ligne. Eh bien, tous ces services, vous allez les retrouver à l'intérieur de l'ENT. Nous allons découvrir ensemble l'ENT intitulé Benenu School. Je me connecte avec mon identifiant. Je clique sur Me connecter. Et j'ai accès directement à ma classe. Ici, un premier bouton qui permet de fermer ou de dérouler un tableau de bord sur lequel j'ai mes applications favorites. Commençons par découvrir tout d'abord quelques rubriques. Ici, mon compte. Cet espace vous permet d'éditer les informations qui vous concernent. C'est là que vous pouvez également paramétrer votre identité numérique, c'est-à-dire ce que vous donnez à voir dans l'espace numérique de travail. Revenons, vous voyez, si je clique sur Monsieur Leroux, j'accède à mon profil et vous voyez que je peux diffuser des statuts, ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. Si je clique sur ces trois petits traits, vous voyez, je peux faire disparaître le volet de gauche. Également, à disposition de l'utilisateur, ici, un espace notification, c'est-à-dire dès que quelqu'un publie une annonce ou un article dans un blog ou un événement sur l'agenda, eh bien chaque utilisateur de la communauté est informé de ce qui est diffusé. Donc ici, quatre notifications. Allons maintenant dans cet espace qui s'appelle application, dans lequel on a l'ensemble des applications qui sont déployées dans l'ENT. Si je veux en déployer d'autres, eh bien je vais cliquer sur « Gérer mes applications ». Nous allons voir ça tout à l'heure. Découvrons ensemble Benelux Spot. Benelux Spot, comme son nom l'indique, c'est une sorte de market dans lequel on a plus d'une centaine de ressources numériques à notre disposition. Certaines sont payantes, comme vous pouvez le voir, vous pouvez recharger votre carte, mais des applis essentielles sont à disposition d'utilisateurs de façon gratuite. Et vous voyez que l'on peut ajouter ici des services à disposition des utilisateurs dans l'espace numérique de travail. Si je veux un calendrier ou un cahier de texte, ou un blog, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter ». Je reviens ici à mon espace, dans ma classe, en cliquant sur ce bouton. Si je veux me déconnecter, eh bien je clique sur « Application » et ensuite sur ce bouton « Me déconnecter ». Je reviens sur l'espace de connexion. À bientôt pour un autre tuto.